en fait, on nous fait oublier l'effondrement d'abord de nos élites, parce que c'est devenu des élites compradors, c'est-à-dire que la fonction aujourd'hui de nos élites, c'est de laisser passer les pouvoirs étrangers contre quelque forme de corruption ou autre. En gros, une grande partie de nos élites fait exactement ce que faisaient les élites des États africains que l'on avait colonisés et après mis sous tutelle, c'est-à-dire s'assurer de faire la transition et qu'il y ait des pouvoirs étrangers qui puissent venir dans le pays, sortir les ressources et repartir conscient, avec. C'est pas conscient, c'est selon vous. Mais c'est de l'impensée pure à 99%. C'est des complicités systémiques. C'est comme votre journaliste qui gagne 5 500 euros par mois, probablement parce qu'il pense qu'il est très brillant.